Saviez-vous qu'il faut entre 5 000 et 20 000 litres d'eau pour produire 1 kg de bœuf? Et saviez-vous qu'il faut entre 4 000 et 5 000 litres d'eau pour produire 1 kg de blé? Les systèmes alimentaires représentent des relations complexes entre producteurs, transformateurs et consommateurs. Et il faut également tenir compte de questions économiques, environnementales et sociales. Les systèmes alimentaires actuels doivent être améliorés afin de produire durablement la qualité d'alimentation nécessaire pour les hommes, les femmes, les enfants, pour leur santé, tout en garantissant une croissance économique durable. Une mauvaise alimentation est un des principaux facteurs contribuant à l'augmentation des niveaux d'obésité et de maladies non transmissibles dans la région. Voilà certains des éléments factuels pour la région. Je suis Raymond Yele, je suis chef de programme pour la région et je vais animer cette discussion aujourd'hui. Je vous souhaite à tous la bienvenue à ce webinaire sur les systèmes alimentaires durables et l'alimentation saine en Europe et en Asie centrale. J'aimerais, sans plus attendre, donner la parole à notre sous-directeur général et représentant régional pour l'Europe et l'Asie centrale, Vladimir Rachmaninov. Merci, Raymond. Et mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi de voir et reconnaître de nouveaux visages et d'en voir de nouveaux également. J'apprécie vraiment votre engagement et votre contribution au travail de la FAO. Les droits humains de base pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant est d'avoir accès à une alimentation saine chaque jour. Et cela représente encore des difficultés en Europe et en Asie centrale. La sous-alimentation existe lorsque quelqu'un ne peut pas avoir accès à la qualité et à l'éventail d'aliments nutritifs nécessaires. Il continue à y avoir des carences en termes de micronutriments dans certains pays de la région. En outre, l'obésité et la surcharge pondérale sont maintenant un grand problème dans la région et souvent se trouvent bien au-dessus de la moyenne mondiale de 13% de la population. Ce groupe de discussion aujourd'hui va présenter le sujet système alimentaire durable et alimentation saine pour les discussions de la table ronde ministérielle, ordre du jour, point 8 de l'ordre du jour de la conférence régionale de la FAO pour l'Europe et l'Asie centrale qui se tiendra du 2 au 4 novembre 2020. On était loin de penser à l'époque, lorsque nous avons organisé cela, que nous nous retrouvions au milieu d'une pandémie mondiale et que nous aurions la responsabilité de prendre des mesures pour nous assurer que cette crise sanitaire ne devienne pas une crise de sécurité alimentaire avec des impacts à long terme sur nos économies et le tissu social de nos pays et de nos communautés. Alors que la COVID-19 a exposé les fragilités de nos systèmes alimentaires, elle a servi également pour renforcer l'importance des systèmes alimentaires. On avait déjà souligner l'importance de la transformation des systèmes alimentaires pour pouvoir réaliser les objectifs de développement durable et notamment l'ODD 2, éradiquer la faim, réaliser la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. D'aucuns craignent maintenant que les défis récents représentés par la COVID-19 mettent en péril les progrès réalisés pour la mise en œuvre des ODD dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Il y a un large accord pour dire que nous devons transformer nos systèmes alimentaires puisqu'ils ne peuvent pas toujours fournir un régime alimentaire sain, qu'il y a des pressions sur nos ressources naturelles, des déséquilibres, des inégalités sur le plan social et économique. Comment faire? Et il faut comprendre également les défis liés à cela au niveau des pays. Il faut bien les comprendre tout cela au niveau des pays. Les systèmes alimentaires dans nos régions sont très différents, se trouvent à différents stades de développement. Ils font face à différentes difficultés et à différentes pressions externes. Il y a parfois des dépenses publiques limitées, des contraintes en termes de ressources naturelles ou des considérations sociopolitiques. Pour transformer et améliorer les systèmes alimentaires, nous avons besoin d'actions multisectorielles et multidisciplinaires avec la participation des décideurs politiques, du secteur privé, de la société civile et du monde académique. Il faut se rassembler pour écouter les avis les uns des autres et pour interagir pour la prise de décision au niveau national et local. Des discussions, des actions sont en cours. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour mettre en place des systèmes alimentaires plus durables et garantir une alimentation saine dans notre région? Ensuite, la FAO
attend avec intérêt les contributions des membres et des observateurs lors de la discussion de la table ronde à la conférence, lors de la conférence. Nous pensons, et je pense, qu'il s'agira d'une excellente opportunité pour échanger les informations, partager les pratiques optimales et les expériences sur les systèmes alimentaires durables et l'alimentation saine. Apprenons les uns des autres pour déterminer quelles sont les futures actions qui sont encore nécessaires dans notre région. Les conclusions des discussions lors de la conférence régionale devraient éclairer les travaux de la coalition régionale des Nations Unies thématique sur les systèmes alimentaire durable qui vient d'être créé. Je suis ravie de voir le représentant de l'OMS avec nous, organisation qui collabore avec nous dans ce domaine. Et ces conclusions devraient également alimenter les discussions du sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies qui se tiendra en 2021. Conjuguons nos efforts pour nous assurer que nos chaînes d'approvisionnement alimentaire restent résilientes, pour garantir la sécurité alimentaire et la nutrition, pour reconstruire en mieux et en étant plus fort pour tenir compte des fragilités et des faiblesses de nos systèmes alimentaires. Lorsqu'il y a des opportunités qui sont apparues, eh bien, exploitons-les. Et lorsqu'il reste encore des difficultés, nous pouvons trouver des solutions ensemble. Je vous souhaite une discussion très productive et vous remercie de m'avoir donné la parole. Je vous souhaite le meilleur pour vos discussions d'aujourd'hui. Merci, Vladimir. Comme vous l'avez dit, les systèmes alimentaires doivent être durables et l'apparition de la COVID-19 a dévoilé les vulnérabilités des systèmes alimentaires dans le monde entier. Nous devons accorder une plus grande attention à l'ensemble du système alimentaire, y compris la production agricole, les opérateurs des chaînes alimentaires, le commerce, les modèles de distribution, la sécurité sanitaire des animaux, la santé des aliments, la santé des animaux, la santé des végétaux. Il y a des risques à court terme, mais également des conséquences à plus long terme. Nous avons beaucoup de sujets dont nous devons discuter dans le cadre de la conférence régionale et à cette fin, je suis ravie d'avoir un groupe d'experts éminents avec moi aujourd'hui pour introduire le sujet qui fera l'objet de discussions à la conférence régionale. Je vous souhaite donc la bienvenue, merci aux experts et merci à ceux qui nous regardent. Rint Akyüz est le vice-président de la Fédération turque de l'industrie de l'alimentation et des boissons, qui compte 27 associations sectorielles membres et qui rassemble plus de 2000 entreprises dans le pays. Il a dit qu'il fallait éduquer le public, intégrer l'agriculture dans le secteur industriel pour réaliser la durabilité et trouver une nutrition équilibrée et adéquate. Je souhaite la bienvenue également à João Breda, qui est le chef du bureau européen de la FAO pour la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles à Moscou. João a dit que la révolution des systèmes alimentaires était un croisement entre la durabilité et la santé. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à Isabelle Alvarez, vice-présidente et chargée du plaidoyer de l'association Urgency, Urgency qui fait partie de Nielleni, le réseau européen. Faire face, pour relever le défi de la malnutrition, il faut une analyse holistique parce qu'une alimentation saine nécessite des systèmes alimentaires durables et cela exige également une planète en bonne santé et une justice sociale. C'est ce qu'a dit Isabelle et je pense que c'est très important. J'aimerais maintenant souhaiter la bienvenue à Rada Jelarova, chargée des politiques à la Commission européenne, Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire, la DG Santé, qui a dit que l'objectif de l'Europe était de devenir le premier continent neutre en termes de changement climatique à l'horizon 2050. Et cela ne peut être fait que en rendant nos systèmes alimentaires durables. Je suis ravie de recevoir également ici Eva Alichka, chercheuse principale au département alimentation, marché et consommateurs, département de recherche à l'université Warszawa des sciences de la vie en Pologne. Elle a dit que tous les acteurs avaient un rôle important à jouer pour orienter les systèmes alimentaires vers une nutrition plus durable. Je voulais vous dire également que nous allons également entendre Gulnaz Kaseva, présidente de AgroLead. AgroLead, qui est une entreprise du Kyrgyzstan, qui donne des services de conseil également, et nous entendrons
une intervention vidéo de Gulnaz un peu plus tard. Donc, bienvenue à vous tous pour cette table ronde virtuelle. Avant d'entrer dans le vif du sujet sur les différents aspects qui ont déjà été abordés d'ailleurs, j'aimerais que l'on se penche tout d'abord sur les différents points dans la région en regardant cette présentation de Mary qui va nous présenter donc le sujet. Bonjour, merci de regarder cette présentation sur les systèmes alimentaires et l'alimentation saine. Si vous êtes un consommateur, si vous voulez une alimentation saine et nutritive pour vous-même et votre famille, si vous êtes un agriculteur ou une entreprise de l'alimentaire qui dépend de l'alimentation, de l'agriculture pour vos moyens d'existence, si vous êtes un décideur politique qui souhaite améliorer le secteur agroalimentaire dans votre pays, eh bien, vous êtes concerné par les systèmes alimentaires, la façon dont on produit les aliments, dont on les utilise, dont on les consomme. Je suis Mary Kenny, je travaille dans le bureau régional de la FAO pour l'Europe et l'Asie centrale. Dans cette présentation, j'aborderai différentes questions essentielles, y compris pourquoi mettre l'accent maintenant sur les systèmes alimentaires, pourquoi cet appel urgent pour la transformation, qu'est-ce que l'on veut dire par durabilité, quelles sont les actions et les points d'entrée possibles pour modeler et transformer nos systèmes alimentaires. Ces questions sont toutes très pertinentes pour la discussion de la table ronde qui sera organisée lors de la 32e session de la conférence de la FAO pour l'Europe. Premièrement, pourquoi mettre l'accent sur les systèmes alimentaires? Eh bien, examinons de plus près la situation en matière d'alimentation et de nutrition dans notre région. Alors que le secteur de l'alimentation et de l'agriculture ont enregistré des performances impressionnantes et qu'il y avait, avec une faible prévalence de la faim, il y a tout de même des difficultés en termes de sous-alimentation, d'accès à une bonne qualité d'alimentation et des carences de micronutriments également dans certains pays. Il y a des taux d'obésité et de surcharge pondérale alarmants également dans notre région. Il y a également d'autres pressions qui montrent bien que nos systèmes alimentaires ne sont plus adaptés. Il y a les préoccupations pour ce qui est des pressions exercées sur l'environnement et les ressources naturelles suite à la façon dont on produit et consomme les aliments. Les préoccupations en matière de détérioration des terres, de surexploitation des stocks de poissons, de pression sur les ressources hydriques, perte de biodiversité, augmentation des gaz à effet, des émissions de gaz à effet de serre. Et la statistique frappante selon laquelle un tiers des aliments étaient perdus ou gaspillés. Il y a des inégalités, des déséquilibres dans le système alimentaire. Il y a également de nombreux pauvres dans les zones urbaines ou rurales qui ne peuvent pas avoir accès à une alimentation nutritive et diversifiée. Et plus récemment, la pandémie de Covid-19 a exposé toute une série de fragilités de nos systèmes alimentaires, reconfirmant ainsi qu'il était nécessaire de s'assurer que nos systèmes alimentaires étaient plus résilients face au choc. Alors, qu'est-ce que nous entendons par système alimentaire? La FAO définit les systèmes alimentaires comme l'ensemble de toutes les activités, les biens, les services regroupés dans la production, les échanges, la transformation, la commercialisation, la consommation et l'élimination de biens provenant de l'agriculture, de la foresterie ou des pêches. Cela couvre tout, de la réforme agraire à la gestion des ressources naturelles, de la production d'aliments aux chaînes de valeur, à la gestion des risques liés aux chaînes alimentaires. Les systèmes alimentaires incluent également des personnes, des institutions, ainsi que toutes les questions socio-économiques, économiques et technologiques qui entourent ces activités. Même si la COVID-19 a mis en lumière les systèmes alimentaires, les discussions sur les systèmes alimentaires durables est en cours depuis un certain temps, mais transformer les systèmes alimentaires se trouve au cœur du programme à l'horizon 2030 et notamment avec l'ODD 2 éradiquer la faim. Cet accent repose sur plusieurs engagements déjà pris, sur des initiatives en cours. Et nous attendons également le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires qui se tiendra en 2021 et qui sera une étape importante, reconnaissant que de nombreux pays font face à des difficultés pour ce qui est de la mise en place de leur système alimentaire. Au niveau régional, la coalition thématique sur les systèmes alimentaires durables, mise en place en avril 2020, est un mécanisme permettant une coopération accrue et des partenariats plus étroits. Alors pourquoi on a promu un système holistique? Les systèmes alimentaires ne sont pas nouveaux. Mais
Ce qui a pris de l'élan, c'est l'appel visant à adopter une approche plus holistique et en intégrant les trois dimensions de la durabilité dans tous les aspects économiques, sociaux, environnementaux. Adopter une approche systémique devrait permettre de rectifier la réalité actuelle dans laquelle il y a des difficultés complexes dans l'alimentation, l'agriculture, le commerce, la santé, et où souvent on traite de cela avec des interventions, des politiques isolées, fragmentées, parfois sans tenir vraiment compte des interconnexions ou des arbitrages qui sont nécessaires. Alors que nous cherchons à garantir la durabilité de nos systèmes alimentaires, nous sommes bien conscients que nous demandons beaucoup à nos systèmes alimentaires. Nous souhaitons qu'ils soient sains sur le plan de l'environnement. Nous leur demandons de garantir des moyens d'existence et la croissance économique inclusive et de fournir une alimentation saine pour tous. Il est donc tout à fait naturel qu'il y ait des priorités en concurrence et des arbitrages à trouver. Certains exemples d'arbitrage peuvent inclure trouver un équilibre entre, en matière de décision entre la production de l'agriculture et l'utilisation des ressources naturelles, ou des décisions en matière de politique commerciale et la façon dont elles peuvent avoir des effets sur les moyens d'existence. Il est clair que nous avons besoin d'un processus politique pour comprendre ces arbitrages et pour trouver un équilibre entre ces priorités en concurrence. On montre de plus en plus que le maintien du mode opératoire actuel n'est plus tenable. Certains exemples de transformations qui pourraient voir le jour dans le système agroalimentaire sont les suivantes. Transformer la production alimentaire pour avoir des aliments plus diversifiés et des systèmes plus durables, y compris en intégrant les approches agroécologiques. Améliorer les chaînes d'approvisionnement alimentaire et les marchés au niveau national et à l'extérieur, et enfin améliorer les environnements alimentaires par le biais du comportement des consommateurs. Comprendre le contexte local, c'est essentiel. Toutefois, ce qui est difficile, c'est d'identifier la bonne série de réformes nécessaires et produire les éléments factuels pour que les parties prenantes puissent comprendre comment ces réformes permettront d'améliorer les systèmes alimentaires et les régimes alimentaires. Donc, quelles sont les approches dont on a besoin pour cette transformation des systèmes alimentaires? Les membres sont encouragés, sont invités à mettre en place un environnement porteur avec des mécanismes de gouvernance afin d'appuyer le programme de transformation des systèmes alimentaires. Il s'agit de promouvoir le dialogue entre de multiples parties prenantes, ce qui permettra de promouvoir la cohérence des politiques. Il s'agit de reconnaître le rôle important des acteurs non étatiques, y compris le secteur privé, pour orienter des investissements responsables qui tiennent compte de la durabilité et pour faire passer à l'échelle les pratiques innovantes. Les mouvements sociaux et les consommateurs peuvent également être aux commandes pour ce qui est du programme de durabilité. En outre, il est nécessaire d'investir dans la collecte de données, d'éléments factuels pour améliorer notre compréhension des synergies et des arbitrages. Et nous devons traiter également des inégalités de pouvoir qui existent dans le système alimentaire pour promouvoir une approche beaucoup plus axée sur les individus. Les individus travaillant ensemble pourront identifier des solutions qui permettent d'avoir des situations gagnant-gagnant pour la santé humaine et la santé de la planète. J'aimerais conclure en vous souhaitant de bonnes discussions lors de la prochaine conférence régionale de la FAO pour l'Europe. C'est une opportunité de partager des expériences sur la transformation des systèmes alimentaires et d'interagir avec la FAO. La fragilité de nos systèmes alimentaires a été exposée par la COVID-19, mais cela a servi également pour reconfirmer l'importance de l'appui à apporter aux petits exploitants et au développement rural, au commerce agroalimentaire, à l'intégration des marchés, la gestion des ressources naturelles et l'atténuation des effets du changement climatique. Certes, il y a des défis liés à la pandémie, mais il y a également des opportunités pour des transformations plus à long terme qui doivent être exploitées. Nous ne devons pas seulement nous concentrer sur les solutions à court terme. Saisissons cette opportunité pour reconstruire en mieux de meilleurs systèmes alimentaires et agricoles plus solides, sans faire de laisser pour compte, et en fournissant une alimentation saine pour tous, en protégeant notre planète aujourd'hui et pour les générations futures. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt ici à Budapest ou dans votre pays ou à l'occasion du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Portez-vous bien. Mary a indiqué que nous devions reconstruire
des systèmes alimentaires et agricoles meilleurs et plus solides. Nous devons donc transformer nos structures de production et nous devons disposer de structures plus diversifiées. Par le passé, les politiques agricoles mettaient vraiment l'accent sur les incitations en faveur de la production. Certains d'entre nous connaissons certainement la politique agricole commune de l'Union européenne qui se concentrait là-dessus dans les années 80. Mais maintenant, nous devons voir si nous pouvons avancer sur la bonne voie pour concrétiser l'universalité des ODD, avec d'un côté l'efficacité de la production, mais de l'autre côté, bien sûr, les questions environnementales et les objectifs sociaux également qui doivent être réalisés. Donc, j'aimerais peut-être me tourner vers vous, Rada. Comment envisagez-vous la transformation de la structure de la production du point de vue de l'Union européenne alors que nous mettons l'accent sur la transformation de la production alimentaire? Comment pouvons-nous trouver un équilibre entre la nécessité de produire plus d'aliments, plus diversifiés, gérer les marchés alimentaires mondiaux tout en mettant l'accent également sur la protection de l'environnement et les ressources naturelles? Donc, quel est le point de vue de l'Union européenne? Eh bien, tout d'abord, nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de choisir entre produire suffisamment d'aliments nutritifs, accessibles et sûrs pour tous et protéger notre planète. Nous avons défini la stratégie FIRST, en mai dernier. Nous pensons qu'avec stratégie, nous pouvons faire, les deux tout en garantissant la bonne existence de tous les acteurs. Nous pouvons donc aborder la question de la production alimentaire en cherchant à la rendre durable et cette stratégie traite également de la question de la demande d'aliments et de la consommation des aliments. L'ambition est de réduire de moitié les gaspillages alimentaires à l'horizon 2030 et de réduire les pertes alimentaires également. Et d'ailleurs, nous allons proposer à l'horizon 2023 des objectifs contraignants juridiques sur le plan juridique pour réduire le gaspillage alimentaire dans l'Union européenne. Mais la stratégie reconnaît que la transition vers des systèmes alimentaires durables ne pourra pas avoir lieu sans une modification de l'alimentation des individus pour un régime alimentaire plus sain et durable, en consommant plus de végétaux, moins de viande rouge, moins de viande transformée, plus de fruits et de légumes, pour avoir un impact plus positif sur la santé des individus et réduire l'impact sur l'environnement. Je vais vous interrompre, excusez-moi. Nous reviendrons sur la question des consommateurs plus tard, mais j'aimerais pour l'instant que l'on se concentre sur la production, l'aspect de la production. Parce que je pense que le système de production, c'est quelque chose qui est très important. Peut-être que Isabelle, vous pourriez prendre la parole. Urgency a toujours souligné que les systèmes alimentaires devaient être modifiés. Alors, j'ai regardé certaines de vos vidéos et je sais que vous êtes une championne également de l'agroécologie. Alors, du point de vue de Urgency, quel est le changement qui devrait avoir lieu dans nos systèmes actuels? Et à votre avis, quelles sont les menaces ou les opportunités, notamment pour les communautés urbaines et rurales? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord, désolé, en fait, j'avais perdu la connexion. Est-ce que vous pourriez répéter votre question? Parce que, en fait, j'ai perdu la connexion pendant un instant. Oui, alors, Isabelle, Urgency souligne toujours qu'il est nécessaire de changer les systèmes alimentaires. Nous savons que vous avez également un fort intérêt en faveur de l'agroécologie dans ce contexte. Alors, à votre avis, quels sont les changements nécessaires pour nos systèmes alimentaires? Quelles sont les menaces ou les opportunités pour les communautés rurales et urbaines? D'accord. Alors, bien sûr, le premier changement que nous aimerions voir se concrétiser, c'est que toutes les personnes sur notre planète soient nourries et que les systèmes alimentaires puissent garantir l'accès à une alimentation saine pour tous. Comme vous l'avez dit, ces changements présentent des aspects multidimensionnels et nous soulignons qu'il est extrêmement important de disposer des ressources permettant de nourrir les populations. Parce que, et bien sûr, si nous souhaitons nourrir les personnes, nous devons également garantir un accès à la terre, nous devons préserver la biodiversité, nous avons besoin de marchés au niveau local également. Et
Nous avons également besoin de ressources qui représentent des aliments bien réels. Parfois, on entend parler du pouvoir en matière de prise de décision des consommateurs. Nous savons que nombre de nos décisions ne sont pas basées sur nos préférences ou notre santé, mais que de nombreuses décisions sont basées sur les ressources à notre disposition. Et nous savons qu'aujourd'hui, l'alimentation malsaine, les aliments malsains sont souvent plus accessibles, plus abordables que des aliments sains dans certaines régions. Et puis si on se penche par exemple sur les achats publics, eh bien parfois, les principaux critères qui sont utilisés pour cela ne sont pas des critères de santé, c'est plutôt les prix ou autres. Et si l'on parle des opportunités, des difficultés, comme vous me l'avez demandé, eh bien, je pense maintenant qu'avec la COVID-19, nous pouvons voir que nous avons besoin de modèles résilients. Et je pense que ce qui a été démontré dans notre expérience de la société civile et également dans le cadre de Urgency, c'est qu'on voit maintenant comment les réseaux locaux ont dû lutter dans cette situation. Et je pense qu'il faut préserver ce type de modèle, préserver ces réseaux. Cela doit être notre priorité sur le plan des politiques publiques. Et bien sûr, les difficultés... Ah, pardon, Isabelle, lorsque l'on parle... On va reparler des politiques plus tard, en fait. Mais j'aimerais peut-être reposer une question à Rada. Lorsque vous avez parlé de la stratégie de la fourche à la fourchette, diriez-vous que... Nous avons là une réponse claire également sur la base de l'expérience de la COVID-19. Pour ce qui est de la production, est-ce que vous pensez que vraiment il y a quelque chose qui est clairement identifié avec cette stratégie? Oui, bien sûr, comme cela a été dit également dans l'introduction, la pandémie de COVID-19 montre que nous avons besoin de systèmes alimentaires robustes et résilients qui puissent garantir l'accès à l'alimentation pour tous et bien sûr, et notamment en période de crise. Et puis nous avons tiré des enseignements de la COVID-19 dans la stratégie de la fourche à la fourchette, puisque nous prévoyons une mesure visant à développer un plan d'urgence qui permettra de garantir la sécurité alimentaire en période de crise. Donc, c'est quelque chose qui est parfaitement intégré dans la stratégie. Alors, approfondissons un peu les choses pour ce qui est des chaînes d'approvisionnement, en nous éloignant un peu maintenant de la production. Pour ce qui est du niveau des commerçants, du commerce, j'aimerais poser une question à Joao. Du point de vue de l'OMS, et en particulier en lien avec l'objectif d'une alimentation durable et saine, quelle action peut être prise dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire pour garantir cette alimentation et comment nous pouvons trouver un bon équilibre entre les différents intérêts des parties prenantes? Merci beaucoup de me donner la parole. Alors évidemment, il s'agit d'un système complexe, mais au bout du compte, nous pensons qu'il y a des actions qui doivent être mises en œuvre si nous souhaitons disposer d'une alimentation plus saine et plus durable. Cela exige de véritablement réduire les aliments d'origine animale de façon significative, augmenter la part des aliments d'origine végétale. C'est un must, notamment pour les pays de la région européenne. Nous devons également nous assurer que nous réduisons la présence d'éléments nocifs qui sont liés aux maladies non transmissibles. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la région européenne, il y a 1 sur 3 ou 1 sur 4 enfants qui souffrent déjà d'obésité ou de surcharge pondérale. Donc, c'est pas la peine de parler pour toujours, parce que sinon, il n'y a jamais d'action concrète. Il y a trop de sucre en Europe. Si vous jetez un œil aux aliments pour les bébés, par exemple, vous pourrez voir qu'il y a des niveaux inacceptables également de marketing pour des aliments destinés aux enfants. La commercialisation numérique, vous savez, c'est un grand défi à l'heure actuelle.
Et tout cela a une grande influence. Oui, nous devons réduire le sucre, les gras trans. Il y a maintenant 37 pays sur 53 pays qui sont membres de l'Europe virtuelle avec une interdiction des gras transsaturés. Et c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons être la première région complètement verte en termes de gras transsaturés. Nous avançons rapidement sur cette voie et nous devons être clairs. L'alimentation saine, durable dans un pays n'est peut-être pas la même dans un autre pays. Et il y a des outils, comme par exemple les achats d'aliments publics, qui sont de bons outils pour aller de l'avant. Au niveau national. C'est très important. Alors nous avons besoin d'une bonne alimentation pour la planète. Très bien. On a besoin de plus de légumes, moins de viande, moins de sucre. Tout cela en éliminant également le sel, par exemple, qui est lié également à de nombreuses maladies non transmissibles. Mais au bout du compte, cela doit être traduit au niveau national. C'est pas la même chose lorsque l'on fait référence, vous savez, à certains types d'aliments dans un pays par rapport à un autre pays. Il y a les zones de la Méditerranée, par exemple, qui sont très différentes de l'Europe de l'Est. Et donc, il faut s'inspirer de l'alimentation traditionnelle, des régimes alimentaires traditionnels. Et là, l'Europe peut jouer un rôle de leader. L'Europe peut être chef de file et peut-être que c'est la région la mieux positionnée sur ce sujet. Et au bout du compte, les solutions à mettre en œuvre ne sont pas si compliquées. Très bien, Joao. Que diriez-vous donc, puisque vous représentez une organisation internationale qui rassemble un grand nombre de gouvernements, mais quelles seraient les recommandations de l'OMS par rapport au secteur privé, par exemple? Vous parlez d'éliminer le sucre, par exemple, mais là, il y a également le rôle du secteur privé. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait recommander d'après vous? Et ensuite, je demanderai à Rint, ensuite, s'il est d'accord. Oui, bien sûr. Le secteur privé est extrêmement important. Nous devons travailler avec toutes les parties prenantes et le secteur privé en tenant compte de ses besoins qui fait partie de la solution. Bien sûr, parfois, il y a des situations où le rôle des gouvernements, par le biais de législation, de réglementation, peut être important et des domaines dans lesquels le secteur privé peut contribuer avec ses propres initiatives. Parfois, c'est une combinaison des deux. Alors, si on prend le sel, par exemple, là, on a un bon historique de contribution significative du secteur privé. Dans d'autres domaines, parfois, c'est le secteur privé lui-même qui dit non, non, nous préférons que les autorités gouvernementales, publiques, soient chefs de file pour ce qui est des contrôles, des réglementations ou de la commercialisation numérique, par exemple, qui s'adresse aux enfants. Donc, il s'agit de dialogue, de collaboration, de prendre des mesures. Mais nous ne devons pas discuter encore pendant une éternité parce que nous savons ce dont nous avons besoin. Donc maintenant, il faut mettre en place les actions qui permettent de promouvoir des aliments de meilleure qualité. Pour ce qui est des aliments pour les bébés, par exemple, en Europe, on voit qu'il y a de grandes quantités de sucre. Est-ce que c'est acceptable? Non, bien sûr. Et le secteur industriel doit comprendre qu'il est nécessaire également de se transformer eux-mêmes pour répondre certes à la demande des consommateurs, mais pour avoir proposé une autre offre également. Je pense qu'en travaillant avec toutes les parties prenantes, les ONG également, qui ont un rôle important à jouer, pas seulement le secteur privé, eh bien, nous pensons que c'est sur la base du dialogue et des politiques, où bien sûr, là, les gouvernements doivent être des chefs de file pour inspirer des actions. Alors, Rint, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit par Joao pour ce qui est de la responsabilité du secteur privé dans ce cas? Ou alors, d'après vous, il faut que ce soit les gouvernements qui interviennent, qui agissent et vous ne pouvez que produire ce que les consommateurs demandent? Comment est-ce que les entreprises alimentaires peuvent trouver un équilibre entre, d'un côté, améliorer la durabilité et, d'un autre côté, bien sûr, poursuivre des objectifs commerciaux et répondre à la demande. Quels sont les efforts qui sont réalisés déjà par le secteur alimentaire? Eh bien, disons que moi, vous savez, je suis d'accord avec ce qui a été dit par Joao. Nous devons communiquer. Nous devons établir un dénominateur commun pour comprendre ce qu'est l'alimentation et la nutrition. En tant que secteur industriel, alimentaire, nous sommes tout à fait opposés à la diabolisation de certains
éléments comme le sel, le sucre, les gras, la farine, etc. Tout ce qui est inscrit sur la liste du Codex Alimentarius n'est pas nocif pour la santé humaine. Ce qui peut rendre quelque chose nocif, c'est la quantité, la dose que l'on va ingérer. Donc, au lieu de dire que le sucre est nocif, je pense que l'OMS devrait être chef de file pour éduquer le public au sujet d'une nutrition équilibrée et adéquate pour ce qui est du régime alimentaire. Parce que, encore une fois, tout ce qui est inscrit sur la liste du codex alimentaire, c'est quelque chose que l'on peut consommer. Si nous souhaitons alerter les consommateurs en leur disant que manger quelque chose de façon excessive, c'est nocif, c'est nuisible pour la santé, alors il faudrait mettre des alertes sur tout, y compris certaines choses de base, comme par exemple l'eau. Parce que si on boit plus de 6 litres d'eau, par exemple, on meurt, on le sait tous. Donc, nous devons éduquer les consommateurs sur comment avoir une alimentation équilibrée et saine, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous pour ce qui est de l'obésité, tout à fait d'accord avec Joao, pour ce qui est des maladies non transmissibles également. Toutefois, le point important, c'est d'avoir un dénominateur commun pour chaque problème. Notre approche est différente. Nous ne pensons pas que un excès de réglementation imposée par les gouvernements nous aide. Nous pensons qu'il faut comprendre les problèmes ensemble, de façon conjointe. Je ne pense pas que nous ayons réussi à réaliser cela avec l'OMS pour l'instant. Pour l'instant, d'après ce que je vois, l'OMS considère le secteur industriel, alimentaire, bon, je ne vais pas dire comme un ennemi, mais en tout cas comme quelque chose contre lequel il faut lutter. L'OMS approche toujours le secteur industriel avec des restrictions sur le plan gouvernemental. Le secteur industriel doit tout d'abord produire ce que veut le consommateur. Ça, c'est une évidence. Ce que veut le consommateur, c'est quelque chose qui pourrait être un peu guidé par l'OMS en éduquant les consommateurs. Vous avez évoqué deux points qui, à mon avis, méritent d'être approfondis. Alors, bien sûr, le rôle du consommateur, je l'avais dit déjà au départ, lorsque Rada, Isabelle sont intervenues, il y a les consommateurs, les recommandations en matière de politique, les recommandations de gouvernement, d'organisations internationales, qui sont étroitement liées, bien sûr. Mais je voulais revenir sur un point, ou aborder un point supplémentaire. Quand on examine les choses du point de vue du secteur industriel, est-ce que vous diriez que les implications de la COVID-19 nous donnent également l'occasion de changer, d'une certaine façon, les systèmes alimentaires? Est-ce que pour vous, il y a de véritables opportunités? Raymond, nous avons publié un ouvrage en juin de 200 pages environ qui présente les conséquences de la COVID-19. Les trois principales conclusions, c'est qu'il y a une communication insuffisante entre l'agriculture et le secteur industriel, ce qui a entraîné un chaos, une absence de coordination entre les principaux acteurs qui a entraîné des inefficacités. La collaboration est plus importante que jamais. Nous devons la remettre en place nous restructurer. Aujourd'hui, les gouvernements n'ont pas été suffisamment rapides dans leurs interventions face à la COVID-19 et la question de la sécurité alimentaire. Et c'est le secteur privé, et notamment les différentes chaînes de valeur alimentaire, et les livreurs par exemple, le livreur sur sa moto qui apportait des aliments jusque dans les maisons, qui pendant les confinements. Donc voilà, on peut tirer ce type d'enseignement. Il y a certaines choses qu'on a déjà lancées. Par exemple, il faut utiliser le pouvoir d'achat des entreprises multinationales, éduquer les agriculteurs également. Par exemple,
quand on veut acheter des produits alimentaires ou des matériels, des matières de base qui utilisent moins d'eau pour leur production. Mais bon, c'est pas ça la principale question. Je crois que le principal problème auquel on fait face dans notre région du monde en tant qu'Europe du Sud-Est, c'est vraiment la question de la durabilité. En tant que fédération, nous avions demandé une recherche à l'Université technique d'Istanbul, qui a été publiée en 2018, qui disait que le changement climatique à l'horizon 2032 aurait des effets considérables sur la région, avec un pic en 2050, ce qui veut dire que il y aura une augmentation des températures qui auront un impact sur les zones où nous produisons des aliments maintenant. Donc ça, c'est une menace considérable. Nous devons être prêts à y faire face. Oui, et cela correspond tout à fait à ce que Rada a dit dans son intervention lorsqu'elle disait que l'Union européenne souhaitait être, disons, le premier continent à avoir une approche neutre en termes de climat. Mais bon, bien sûr, plusieurs d'entre vous ont également évoqué le fait que le consommateur jouait un rôle important dans ce contexte. Maintenant, la question qui se pose est-ce que ça simplifie les choses de montrer du doigt le consommateur en disant ben, le problème c'est le consommateur, si le consommateur se comporte bien, alors tout le reste va changer de la meilleure façon possible également. Quand on parle des responsabilités du consommateur, comment est-ce qu'il faut envisager les choses? Je pose peut-être la question à Eva, même si elle aborde les choses pas du point de vue du consommateur, mais également du point de vue de la recherche, puisqu'elle a réalisé beaucoup d'activités de recherche dans ce contexte. Que devons-nous faire pour qu'il y ait une demande pour une alimentation plus saine? Est-ce qu'on doit mettre en place de fortes réglementations pour réduire certains éléments? Joao disait par exemple moins de sucre, moins de sel. Enfin, de quoi avons-nous besoin pour que le consommateur avance sur la bonne voie? Est-ce que l'éducation par exemple est suffisante? Écoutez, je pense vraiment que il s'agit d'un sujet fascinant du point de vue du consommateur. Oui, c'est vrai, j'ai réalisé des recherches pendant les 20 dernières années ici, en Pologne et en Europe, et j'ai pu voir, j'ai pu observer les changements de comportement des consommateurs. Les consommateurs reçoivent beaucoup d'informations. Il y a eu beaucoup de campagnes d'éducation également, de ce type d'initiative dans la région. Et les changements ont été lents. Je pense peut-être que parfois, on a transmis trop d'informations aux consommateurs. Parfois, il y a eu de la désinformation également pour ce qui est des messages de santé. Ces messages arrivent jusqu'aux consommateurs. Les individus savent qu'ils devraient avoir une alimentation plus saine. Maintenant, la difficulté qui s'ajoute à cela, c'est les recommandations liées à la durabilité. Et il ne faut pas que le message devienne plus complexe, hein, parce que souvent, si quelqu'un ne comprend pas, si qu'il pense que quelque chose est trop complexe, eh bien, il va juste simplement abandonner. Et les recommandations en termes de durabilité, c'est quelque chose qu'il faut ajouter également dans les directives diététiques basées sur l'approche alimentaire qui existent déjà ou qui sont développées dans certaines régions. Je vais vous donner un exemple. Manger localement. Manger selon les saisons. Et je pense également que pour les décideurs politiques, il y a là une occasion d'interagir avec les groupes de consommateurs qui deviennent également de plus en plus forts depuis plusieurs années et plusieurs décennies. Les organisations de consommateurs, autrefois, on ne les entendait pas tellement, ou en tout cas, parfois, leur voix était un peu éteinte où on les entendait à la fin de la discussion, trop souvent autour de la table. Mais j'ai pu constater qu'il y a eu de gros changements. Je pense qu'il y a eu cette prise de conscience, c'est les consommateurs qui est vraiment très proche.
Nous avons 920 millions de consommateurs dans la région Europe-Asie centrale. Donc, il s'agit bien de 920 millions de consommateurs. Bon, bien sûr, certains n'achètent pas d'aliments, mais ils sont tout de même reliés au marché. Même si, par exemple, ils ont de l'aide pour leur alimentation auprès des banques alimentaires, ou si, par exemple, ils ne consomment que les aliments qu'ils produisent. Eh bien, nous sommes tous liés au marché alimentaire. Et il y a eu vraiment cette prise de conscience que l'on voit se concrétise de plus en plus. Et je pense que la COVID, de façon peut-être un peu paradoxale, mais je pense que la COVID-19 a accéléré cette prise de conscience. Donc, on a besoin de messages clairs. Je pense que ces directives diététiques basées sur l'approche alimentaire qui intègrent la question des régimes alimentaires durables, eh bien, je pense que ces messages auront un impact énorme sur les consommateurs en renforçant leur capacité à choisir sur le marché. Et cela va modifier les choses, va contribuer à améliorer les systèmes alimentaires, je l'espère, dans un avenir proche. Alors si je vous écoute dans ce que vous dites, on a besoin de messages simples, des messages simples, et il faut également donner plus de pouvoir aux consommateurs. Alors dans ce cas, je me tourne à nouveau vers la commission. Rada, la commission n'est pas toujours considérée, excusez-moi si je le dis, comme rendant les choses simples. Alors est-ce que vous diriez que la stratégie de la fourche à la fourchette rend les choses simples du point de vue de la commission? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cela soit plus simple pour les consommateurs, pour changer le comportement des consommateurs? Mais je pense que ce que nous avons proposé dans la stratégie pour ce qui est de garantir une consommation durable, c'est justement d'essayer de rendre les choses plus simples pour le consommateur, parce que nous pensons qu'un consommateur informé peut avoir plus de pouvoir afin de choisir une alimentation saine et durable. Et nous avons en fait mis en place plusieurs initiatives qui seront mises en œuvre à partir de 2022 dans le domaine notamment de l'étiquetage. Et on va proposer par exemple un étiquetage obligatoire harmonisé sur le devant de l'emballage. Nous allons également envisager la possibilité d'élargir les informations obligatoires sur l'origine ou la provenance de certains produits. Et à plus long terme, nous envisageons également la possibilité de développer un étiquetage sur la durabilité, un cadre pour l'étiquetage qui intégrera les trois dimensions de la durabilité pour justement transmettre des informations plus simples aux consommateurs. Parce que comme vous l'avez dit, c'est essentiel pour les consommateurs, pour qu'ils comprennent les choses concernant cet élément. Nous pensons donc qu'avec nos actions, eh bien, nous ferons en sorte qu'il soit possible pour les consommateurs de choisir une alimentation saine et durable à l'avenir. Il y a un des points dont on parle quand on parle de choix des consommateurs, de donner plus de pouvoir aux consommateurs, c'est l'information, encore une fois. Mais bien sûr, les choses dépendent des coûts également. Par exemple, dans le rapport sur l'état de l'insécurité alimentaire 2020 de la FAO, on a abordé la question également de l'alimentation, des régimes alimentaires abordables. Pour le consommateur, il n'y a pas vraiment un droit à choisir si ce n'est pas abordable. Donc c'est un point important également. Il y a vraiment beaucoup d'éléments dont on peut parler du point de vue du consommateur. J'aimerais maintenant consacrer un moment pour orienter la discussion, avant de revenir sur les recommandations de politique, orienter les discussions sur le cas du Kyrgyzstan. Et j'aimerais donner la parole à Gulnaz. Gulnaz de Agrolead au Kyrgyzstan. Et pour lui demander quels sont les efforts qui sont déployés là-bas pour mettre en place des systèmes alimentaires plus durables. Elle nous a envoyé un message vidéo qui résume tout cela. Gulnaz a la parole. Bonjour à tous, je suis Gulnaz Kassiva, je suis présidente du conseil de l'association publique Agrolead au Kyrgyzstan.
Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un concept permettant de résoudre les problèmes de sécurité alimentaire au Kyrgyzstan. Le Kyrgyzstan est un pays où plus de 70% de la population vit dans les zones rurales et 65% de ces personnes sont employées dans les secteurs agricoles. Donc, au Kyrgyzstan, il y a un grand nombre de petits exploitants agricoles. Nous avons une réforme agraire après l'effondrement de l'Union soviétique et il y a de nombreux nouveaux agriculteurs qui sont apparus et qui n'avaient pas forcément de connaissances ou d'expérience dans le secteur agricole. Il était nécessaire de mettre en place des services de vulgarisation. Donc l'association publique AgroLead est un des services de vulgarisation du Kyrgyzstan qui a été établi en 2009 et au cours de nos 11 années d'activité, nous avons mis en œuvre une centaine de projets dans le secteur agricole. Actuellement, ces services de vulgarisation au Kyrgyzstan sont réalisés par différents acteurs, l'État, des organisations non gouvernementales et le secteur privé. Mais tous ces services travaillent à leur façon et ils poursuivent leurs propres objectifs. Il n'y a pas de coordination générale des activités menées dans le secteur agricole entre les ONG, le gouvernement et les autres. Il y a parfois des doublons, des activités, des interventions fragmentées également. Chacun poursuit ses propres objectifs et cela a des effets sur l'efficacité du développement agricole au Kyrgyzstan. Par exemple, la situation de la COVID-19 a montré qu'il y avait des problèmes en matière de sécurité alimentaire au Kyrgyzstan. Entre-temps, il s'agit de développer des petites entreprises, petite échelle, qui reçoivent le prix approprié pour leurs produits. Alors, une de nos initiatives d'AgroLeague, ça a été de créer une association de services de vulgarisation. En 2018, nous avons commencé à dispenser ce type de ces services et la principale idée était de créer une plateforme commune pour toutes les parties prenantes pour qu'ils puissent discuter ensemble, essayer de résoudre ensemble les principaux problèmes du secteur agricole, y compris les questions de sécurité alimentaire. Résultat, en septembre 2020, un mémorandum d'accord a été signé avec le ministère de l'Agriculture. Et l'objectif de ce mémorandum d'accord était d'impliquer tous les secteurs, tous les acteurs du secteur agricole pour coordonner les actions dans le secteur de l'agriculture et en faveur du développement agricole. Merci beaucoup de votre attention et je souhaite que vos discussions soient fructueuses. Bien sûr, si vous avez des questions, je serai toujours disponible pour y répondre. Bien, donc Gulnaz nous disait qu'il y avait peu de coordination entre les différents acteurs de la chaîne alimentaire, qu'ils essayaient d'améliorer cela. Et je crois que cela confirme qu'il est nécessaire d'améliorer les mécanismes de gouvernance. Je pense que des efforts sont déployés. Alors, je me tourne vers Isabelle, puisque là, on va parler à nouveau de recommandations en matière de politique. Comment envisagez-vous les choses de votre perspective du point de vue de urgency? Est-ce que vous pensez qu'on avance sur la bonne voie? Est-ce qu'on est en train d'ajuster les processus de prise de décision? Est-ce que l'on donne plus de pouvoir à la société civile? Enfin, bon, vous savez, nous sommes tous des consommateurs nous-mêmes, hein? Chacun d'entre nous est un consommateur ici. Est-ce que la société civile est en meilleure posture pour participer? Et à votre avis, qu'est-ce que la société civile peut faire dans ce contexte pour qu'on mette en place des mécanismes de gouvernance différents? Oui, je pense que les choses changent, et ça, c'est une bonne chose. De notre point de vue, nous pensons que nous avons besoin de processus participatifs inclusifs pour construire ensemble des politiques publiques. Et dans ce contexte, je pense que vous avez parlé des consommateurs, des décisions qu'ils prennent. Et alors, je ne vais pas revenir là-dessus à mon tour, mais je pense qu'il est important de dire que lorsque l'on parle d'alimentation, on parle de droits humains. Et lorsque l'on parle des plateformes multi-parties prenantes, et nous devons également dire clairement qu'il y a également la société civile. Et bien sûr, tout le monde, chacun doit être autour de la table. Comme vous l'avez dit, nous faisons tous partie des systèmes alimentaires. Mais nous devons dire clairement qu'il y a les multi-parties prenantes et les détenteurs de droits.
Et nous pensons que c'est quelque chose de très important. Nous pensons que chacun, tous, doivent être assis autour de la table. Il ne s'agit pas simplement de voir qui est présent ou qui n'est pas présent, mais il s'agit de voir également ce que chaque personne autour de la table représente. Et il faut bien comprendre cette différence qu'il y a entre les multiparties prenantes et les détenteurs de droits lorsque l'on parle d'alimentation. Pour nous, l'approche basée sur les droits humains, c'est quelque chose de crucial au moment de mettre en place des systèmes alimentaires durables. Et pour ce qui est du rôle de la société civile, bien sûr, nous sommes actifs dans différents espaces, comme vous le savez. Et je pense que parfois, la question pourrait être de savoir s'il est possible de mettre en place des systèmes alimentaires durables sans la participation de la société civile, sans les agriculteurs, sans les pêcheurs, sans les populations autochtones, sans les jeunes, sans les femmes. Eh bien, nous pensons que ce qui est central ici, ce sont justement les individus pour construire ces systèmes que nous voulons. Donc voilà ce qui est important pour nous. Mais en principe, est-ce que vous diriez que les politiques doivent être plus axées sur les personnes, comme vous venez de l'évoquer, pour s'assurer que chacun peut interagir et que l'on tient compte de cela dans les politiques? Alors là, j'aimerais me tourner vers Joao pour avoir la perspective d'une organisation internationale. Joao, est-ce que vous pensez que nous devons en faire plus pour ce qui est de rendre les politiques plus centrées sur les personnes? Ou qu'est-ce que nous devrions faire en la matière? Oui, tout à fait, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Du point de vue de la santé, on parle de système de santé axé sur les personnes. Et là, on parle de système alimentaire centré sur les personnes. Et je pense que on a certainement beaucoup à apprendre ici pour ce qui est des processus à mettre en place, des stratégies de mise en œuvre, etc. Finalement, il s'agit un peu de comprendre qu'il est nécessaire de le faire de façon exhaustive. Il ne s'agit pas simplement d'éducation pour faire en sorte que les personnes fassent les bons choix en tant que consommateurs. Il ne s'agit pas simplement de concevoir les bonnes réglementations qui permettront de promouvoir une alimentation plus saine et plus durable. Il s'agit de voir comment on peut comprendre toutes les complexités et pour mettre en place un système où les individus, les êtres humains, se retrouvent au centre. Et ça, c'est un changement considérable. Et je voulais dire que c'est quelque chose qui est tout à fait en phase avec la nouvelle politique de l'Union européenne, vraiment intéressante, qui concerne le leadership. Et je pense que la région Europe-Asie centrale, dans son ensemble, pourrait être aux commandes, jouer un rôle de chef de file pour ce qui est des changements qui sont nécessaires. Parce que vous disposez du secteur industriel le plus vibrant, du secteur de la recherche le plus vibrant également, qui vous donne un avantage comparatif finalement. Vous avez le régime alimentaire nordique, méditerranéen et également le mélange alimentaire fantastique en Asie centrale. Vous avez également les connaissances, les cerveaux, la technologie. Alors, il ne s'agit pas de dire chacun a un rôle à jouer, en fait, mais vraiment de placer les individus, on pourrait dire les consommateurs, mais c'est plus que cela. Et puis, pour ce qui est de la santé, voyons ce que la Covid a fait sur nos vies. Sans santé, on n'a plus rien. Et parfois, on voit que pour produire les aliments que nous produisons, en intégrant certains ingrédients dans les aliments, eh bien, désolé, mais on n'est pas en train de protéger la santé. Par exemple, une boisson qui contient 14 grammes de sucre, c'est pas quelque chose de sain. Et je pourrais vous donner d'autres exemples. Donc, vous savez, il doit vraiment y avoir une transition. Et bien sûr, le consommateur doit intervenir. Mais le consommateur, vous savez, il y a de plus en plus de véganes, par exemple. Je dis pas que c'est la bonne solution, hein, peut-être pas, parce que on peut aussi avoir des produits alimentaires véganes transformés qui, au bout du compte, ne sont pas très sains non plus. Donc, c'est beaucoup plus complexe que cela.
Et c'est quelque chose qui a lieu avec tous ces éléments en même temps. Et nous, en tant qu'organisation internationale, nous, notre responsabilité est de donner les bonnes orientations aux États membres et d'appuyer les États membres au niveau national. Et je pense que nous devons tous beaucoup plus travailler ensemble. Mais j'apporte également, j'appuie bien sûr toutes les organisations qui travaillent ensemble et nous nous félicitons de toutes les initiatives qui sont mises en œuvre, par exemple par l'Union européenne. Je suis sûre que ça va vraiment faire la différence et je pense que cela pourrait permettre d'avoir un impact sur la région dans son ensemble, qui pour l'OMS inclut 53 pays. Et merci beaucoup. Oui, c'est vrai, on veut donner le bon exemple pour en tant que région. Comme vous l'avez dit, on doit faire interagir les personnes. Et je pense en fait que la crise de la COVID-19, ces jours-ci, avec les chiffres qui reprennent à la hausse, montre bien que si on ne fait pas monter les personnes dans le train, eh bien, il est très difficile de faire passer les messages. Alors, Rada, est-ce que vous pensez que la stratégie de la fourche à la fourchette, apporte une assez grande cohérence pour que l'on puisse vraiment toucher les personnes? Ou est-ce qu'au bout du compte, c'est un document ou une approche où les personnes peuvent dire: ah oui, ça a l'air pas mal, en effet, en tout cas pour les experts. Mais ce n'est pas assez simple, comme Eva le disait, c'est pas dit assez simplement pour que les consommateurs comprennent exactement de quoi il s'agit. Bien écoutez, nous considérons que la stratégie de la fourche à la fourchette est une stratégie qui adopte une approche holistique dont on parlait justement. Et d'ailleurs, nous avons prévu des actions pour chaque acteur de la chaîne de l'approvisionnement alimentaire et au-delà. Il ne s'agit pas que de s'adresser aux agriculteurs qui doivent faire des efforts pour permettre une transition vers des systèmes alimentaires durables. C'est tous les producteurs primaires, mais également les transformateurs d'aliments, les distributeurs, les consommateurs et même au-delà, comme cela a été correctement souligné. Nous avons besoin de la participation des individus du secteur des finances, de la recherche, de l'innovation, parce qu'on a besoin de nouvelles solutions pour surmonter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Et ces solutions doivent être financées. Et on a besoin également de l'intervention d'acteurs, des services de vulgarisation, de conseils, parce qu'ils doivent pouvoir transmettre ces nouvelles solutions aux acteurs sur le terrain. Donc nous pensons vraiment que cette approche des systèmes alimentaires, qui inclut tout à chacun, va nous forcer également à arrêter de réfléchir de façon isolée. Je peux vous donner un exemple concret. Si on dit qu'on veut réduire la dépendance envers les pesticides chimiques, eh bien, on doit comprendre que les agriculteurs ont besoin de solutions de remplacement qui soient aussi efficaces. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit investir dans la recherche et l'innovation pour pouvoir trouver ces solutions de remplacement. Donc, tous ces secteurs sont interconnectés et c'est ce que nous essayons d'apporter aujourd'hui, cette cohérence entre toutes les politiques en matière d'alimentation. Et puis aussi, à plus long terme, c'est également une des initiatives phares de notre stratégie, il y a cette proposition législative relative au système alimentaire durable qui permettra de mettre en lumière cette cohérence des politiques et qui permettra d'intégrer systématiquement la durabilité dans toutes les politiques relatives à l'alimentation. Nous pensons que c'est seulement ensemble que nous pouvons vraiment réussir cette transition et c'est la raison pour laquelle nous ne pensons pas, comme cela a été dit, qu'il s'agisse juste d'un autre document. Nous pensons que tous ensemble, nous pouvons nous assurer que la mise en œuvre soit couronnée de succès. Rint, du point de vue du secteur privé, est-ce que vous pensez qu'il y a déjà suffisamment de cohérence en matière de politique? Et alors, il n'y a pas de transition possible vers des systèmes alimentaires durables sans le secteur privé. Est-ce que vous vous sentez suffisamment soutenu dans ce domaine? On a entendu parler de la stratégie de la fourche à la fourchette de l'Union européenne. Même si vous êtes en Turquie, ça a certainement des conséquences en tant que pays associé à l'Union européenne, mais il y a également certainement d'autres problèmes. Écoutez, je suis d'accord. Avec Rada, la COVID-19 nous a beaucoup appris. Aujourd'hui, on a réalisé qu'il y avait des différences entre dans les différentes parties d'éléments, maillons de cette stratégie de la fourche à la fourchette. Et on doit vraiment adapter les stratégies aujourd'hui.
C'est quelque chose qui n'est peut-être pas présent dans l'ensemble de la région, mais on doit vraiment parler des droits humains de base de tous les êtres vivants, d'avoir accès à l'alimentation. Dans notre zone, bon, il n'y a pas de famine, mais de façon générale, il y a quand même des problèmes de cette nature dans le monde. Il faut en tenir compte. C'est assez complexe. En tant que secteur privé, nous avons un rôle important à jouer et nous sommes prêts à jouer ce rôle. Et comme cela est décrit dans les politiques, mais surtout en mettant en place un dialogue avec toutes les grandes organisations. C'est vraiment très important. Le dialogue, c'est essentiel. Aujourd'hui, on sait que l'empreinte carbone, par exemple, est un gros problème. Si nous n'inversons pas les tendances en matière de changement climatique, eh bien, nous allons payer un prix très élevé pour cela. Et nous avons besoin de la coopération de tous dans les prises de décision. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, les ressources, elles ne seront pas suffisantes lorsqu'on arrivera à 2050. Et c'est quelque chose qu'il faut explorer également. Nous devons accorder plus d'attention aux innovations, nous devons accorder plus d'attention aux biotechnologies. Et je crois que ça sera la clé dans les 20 à 30 années à venir. Voilà les points qui vont devoir être traités par les décideurs politiques. Nous sommes prêts, en tout cas en ce qui nous concerne, en tant que producteurs, mais je voulais souligner encore une fois le fait que le dialogue est vraiment quelque chose d'essentiel. Oui, c'est vrai, cette question du dialogue est très importante. Et oui, malheureusement, on arrive aussi à la fin du temps qui nous était imparti. Alors, il y a un point d'action sur lequel je voulais revenir avec Joao et peut-être d'autres d'entre vous, parce que nous avons besoin d'une cohérence politique, nous devons investir plus, nous avons besoin de plus d'éducation pour les consommateurs, nous devons plus investir dans les trois dimensions des systèmes alimentaires durables de l'alimentation saine. Est-ce que avec la COVID-19, nous courons le danger de ne pas avoir suffisamment de ressources publiques pour mettre l'accent sur cela? Est-ce qu'on aura, puisqu'on doit investir beaucoup plus sur la santé? Joao, quel est votre point de vue? Oui, non, vous savez, je pense que le secteur de la santé dans de nombreux pays avait été sous-financé, extrêmement sous-financé pendant longtemps. Donc c'est important que les pays redressent la situation en la matière. Je ne pense pas qu'il y ait une concurrence ici lorsque l'on investit dans la prévention des maladies non transmissibles, le diabète, l'obésité, le cancer, les maladies cardiovasculaires. Eh bien, vous faites beaucoup d'économies également pour l'avenir et vous créez des consommateurs plus sains, qui auront également plus de temps pour devenir des consommateurs meilleurs, plus informés, qui pourront également dépenser plus d'argent parce qu'ils auront de meilleures capacités, ils auront des finances plus importantes, etc. Donc, je pense que nous devons vraiment avoir une approche exhaustive. C'est pourquoi il est important que les organisations internationales et les différentes parties prenantes travaillent ensemble là-dessus, pour rechercher les points communs dans tout ce que l'on peut faire tous ensemble. Je pense que l'avenir se trouve vraiment dans l'interconnexion entre la santé et la durabilité. Clairement, utiliser des directives diététiques basées sur les approches alimentaires, c'est très bien. Et je pense qu'il faut ajouter à cela la durabilité. Et ensuite, on a la parfaite recette pour tous les agriculteurs européens qui s'en sortiront beaucoup mieux. Je suis convaincue que ça permettra d'améliorer les choses. Donc, il s'agit vraiment de travailler ensemble pour peaufiner vraiment ce que nous faisons et l'améliorer. Eva, est-ce que vous diriez, si on examine les choses du point de vue de la recherche, est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment d'argent pour obtenir cette transformation? Et que nous ne courons pas de danger pour la recherche à cause de la COVID-19. Malheureusement, je ne suis pas très confiante à ce sujet. Nous verrons. Nous verrons.
Nous avons fait une petite recherche par le passé et ce que je voulais souligner, c'est que l'on a pu constater également que les consommateurs étaient différents. Les personnes qui vivent dans les zones rurales ou qui vivent dans les zones urbaines ont une approche différente de la durabilité. Les recherches menées en Pologne ont indiqué que les personnes vivant dans les zones rurales savaient plus ce qu'était la durabilité, ils respectaient plus les aliments. Donc, on peut vraiment voir les différences qui existent entre les personnes et entre les consommateurs. Alors, oui, j'espère simplement qu'il y aura suffisamment de ressources, pas seulement pour éduquer, mais également pour pouvoir concrétiser les changements dans les différents groupes de consommateurs. Comme vous le savez, les consommateurs, il y a des différences culturelles, géographiques, démographiques. Et bien sûr, on peut envoyer un message unique et clair et simple, mais si on va un peu plus en profondeur, les messages seront plus efficaces par rapport au changement de comportement si on tient compte des différences. Bon, malheureusement, nous allons devoir mettre un terme à cette discussion. Nous avons entendu de nombreux points intéressants. On a vraiment abordé énormément de thèmes. Cela donne vraiment matière à réflexion, notamment pour les pays membres, pour ce qui est de l'introduction de ce point de l'ordre du jour pour la conférence régionale de la FAO, et avec notamment également le CSA, le Comité de la sécurité alimentaire, qui travaille sur les directives volontaires en faveur de systèmes alimentaires durables qui font actuellement l'objet des négociations. Donc, de nombreux efforts sont déployés dans le domaine de la production, dans le domaine des chaînes d'approvisionnement alimentaire, l'environnement alimentaire dans son ensemble. Bien sûr, beaucoup revient sur le consommateur. Donc, nous-mêmes, puisque nous sommes tous des consommateurs, et nous devons évidemment voir comment les différentes stratégies vont être acceptées, s'il y aura une bonne adhésion. Et puis il y a également l'ICN 2 du point de vue de la FAO, le cadre d'action aussi. Il y a de nombreux instruments à disposition, mais je pense que l'on doit vraiment plus travailler sur les trois dimensions des systèmes alimentaires durables. Je vous remercie en tout cas de votre participation et merci pour ce débat très intéressant.